Et oui, re les amis, je tourne cet épisode à la suite car j'avais un peu oublié ceci. Donc nous voici pour l'épisode de 11. Voilà, je suis à la suite et que j'étais un peu pris dépourvu. Épisode 11 de The Legend of Zelda Twilight Princess. Regardez cette magnifique vidéo. C'était pas vraiment prévu, mais voilà, donc j'aurais pas pu voir vos commentaires de la saison suivante. Et comme vous pouvez le voir, je suis intrigué par la vidéo. Regardez-le. En rentrant dans le village de Cocorico, voilà. La cinématique a été lancée, donc j'ai pas eu le choix que de faire tourner cette vidéo directement à la suite. Donc on va se lancer à la suite. Bah on va se lancer tout de suite d'ailleurs à la poursuite de ces gens. Je vais pas vous faire lambiner. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je sais même pas par où ils sont partis. Je le sais plus. Tu veux que je vienne? Tu veux que je vienne? Allez, l'épée à la main, on va y aller. Ouais, appelle qui tu veux. Oh là, des flèches enflammées. Non, 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 non. J'ai un bouclier, elle est en bois, je rappelle. Faut que tu sauves cet enfant, non? Tu n'as pas le choix. Alors vite, rattrape-le. Allez, allez. Allez, allez, on va y arriver les amis, je peux pas parce que je suis concentré. On rappelle qu'on a pratiquement réussi à lui enlever son armure. Excusez-moi. Voilà, on a réussi ça, les amis, et on se dirige d'ailleurs sur le pont avec ce magnifique coucher de soleil, comme vous pouvez le voir. Allez, quel est le problème? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oula! Personnellement, je le sens pas, mais bon, il est pas censé avoir de l'armure, hein. Je viens de lui enlever. Merci au développeur, à moins qu'il a rien à l'arrière. Voilà. Voilà. Je me suis trompé?
Voilà. Allez! Tente-toi! Oh là 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 là. Déjà que je perds assez de temps comme ça pour tourner. Et en plus Epona est sur pas une cacahuète. Allez, tourne! Ah là 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 là. Allez, tourne, tourne, tourne. Alors, elle tourne pas, elle fait rien. Il y a une mage ou quoi? Je me souvenais pas que c'était si dur il y a si longtemps que ça. Bon, je l'ai touché une fois. Allez, tourne, tourne, Epona, tourne. Ouais, ouais, je sais toujours pas comment ça tourne. Hein. Ah, j'aurais dû le toucher là. Ça, c'est fait. On termine ça sur les ténèbres, sur un fond, c'est magnifique. Bon. Ah ouais, la posture. La posture du guerrier. Et oui, la posture du guerrier. Elle est magique, elle est magique, elle est épique. Franchement, elle est magique. Bon, épisode suivant. Non, je plaisante. Pas encore, pas encore. On est juste au début. Oula. Des petits soucis dans la vidéo, les amis. Je viens de voir ça sur le replay. J'en suis sincèrement désolé. J'en suis sincèrement désolé. Anaïs, pardon de t'avoir poussé. Ah bah carrément. Excuse de lui avoir sauvé la vie. C'est génial. T'es génial. Je crois que je t'ai enfin compris. Ah bah c'est pas trop tôt. J'ai compris ce que tu voulais dire, que voulait dire mon père quand il me disait de devenir fort comme toi, Link. Il ne parlait pas de force physique, mais aussi de courage. C'est pas faux. Link, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Tu es vraiment le plus fort. Ouais, ben ça reste encore à voir. Je suis sûr que tu pourras faire quelque chose pour aider les Gorons dans leur mine. Je vais m'en occuper. Donc dans cet épisode, nous allons y aller. C'est sympa. Il veut absolument l'aider. C'est plus simple quand les grandes personnes s'en chargent. C'est pas faux. Hein. On va commencer maintenant. Mettez un petit pouce bleu dans cette vidéo. Si vous a plu, regardez-la jusqu'au bout. Ça peut être aussi bien. Et on va s'attaquer maintenant au Coron. Oui, c'est pour la fin de l'épisode. Hein. Je vous le rappellerai à la fin de l'épisode aussi, mais j'avais un moment de pause. Et vu qu'on me dit que je parle pas assez, comme ça au moins. Alors, on va voir si la boutique est ouverte, ça pourrait être sympa. J'aimerais faire des emplettes. Oh!
Ben voyons. Je crois qu'il va falloir que tu revoies ta conception du libre-service. Ce bouclier est un article de la boutique. Il coûte cher, mais si tu le veux, il devra faire briller tes mains. L'ancien propriétaire n'étant plus de ce monde, j'ai décidé de reprendre cette échoppe. Fais une bonne action pour ce village. Achète quelque chose. Oui, on va essayer d'acheter quelque chose. J'ai 295. Le bouclier d'Ilia est à 200 rubis. On l'achète tout de suite. Tiens, le bouclier appuie pour procéder. Moi, il est au métal, il ne craint pas le feu. Je ne peux pas devenir un héros, mais j'espère aider les autres par d'héroïques actions commerciales. Bon courage à toi aussi. Merci, c'est gentil. Je comptais pas acheter ce bouclier. J'en avais déjà un en bois, hein, si vous vous souvenez. Hein, qu'on a récupéré dans le village, dans notre village natal. Je préfère le garder. D'ailleurs, je me demande comment l'équiper. Je sais pas du tout. Écran de quête. Ah voilà. Voilà, on va se mettre directement. Ah, je peux pas l'équiper? Ah non, c'est que j'ai encore. Voilà, oh là là, déjà, franchement, tout de suite, on n'a pas plus la classe, sérieusement, hein, c'est quand même la classe. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir les Gorons. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons, enfin la dernière fois pour vous, moi c'était il y a quelques minutes, nous avons été chercher... Je vais tuer. On a été chercher les pattes de fer. Je vous rappelle dans l'épisode que j'ai pas encore nommé, mais qui va être nommé où Link devient Sumo. On a récupéré les bottes de fer. Et dans cet épisode, nous allons commencer, mais je dis bien commencer, la montagne de la mort. Alors, juste avant, on va se préparer. Je vais la signer ici. J'ai plus l'habitude. Ouais. Hop là. Allez, c'est parti. Affrontons le premier gant. Ah, encore lui, tu topes. T'obstine pas, ça ne sert à rien, je vais te jeter dehors. Et voilà. C'est pas un avanton dans ton genre qui va nous résister. Tu as compris, humain, alors ne reviens plus. Oui, alors, vu que j'ai raté le premier, que je réussisse le deuxième ne servait strictement à rien. J'étais trop loin. Et vu que je peux pas l'esquiver, il faut que je le projette. C'est obligatoire. Je n'ai pas le choix. Ah! Encore lui? T'obstine pas, ça sert à rien, je vais te jeter dehors. Allez, c'est parti! Hop là! Alors, je crois pas que c'est le seul. Va falloir rester assez prudent. Voilà, ce qui me semblait. Eh oui, et encore un. Arrivé d'en haut. Allez, le dernier. Je suppose que c'est le dernier.
avant d'aller là-bas. J'aimerais bien. J'aimerais bien affronter. Oh, là, je vais pas couper ça. C'est pas le dernier. Ah, je vous rappelle donc que c'est ici. C'est ici que j'ai eu la capacité pour avoir la botte secrète. Voilà, nickel. Alors, on peut. Les corons peuvent s'aider à monter d'un endroit à un autre. Je crains le pire, mais bon. Alors. Ah. Oh, ça a l'air bien dangereux ce truc. La montagne de la mort tient à sa réputation, on dirait. Forcément. Bizarrement, j'ai envie déjà. Ils vendent des flèches. J'ai un arc. J'ai un arc. Non, j'ai une canne à bêche. j'ai pas d'arc. Mais ils vendent des flèches. Est-ce un indice sur le prochain? Ils ont pas l'air d'être méchants. Alors on leur parlera plus tard ou genre pas là en off les amis. On va avancer un peu parce que j'ai pas fait grand chose, vous me direz. Allez, 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 go, 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 go. Ah, toujours pas. C'est long, ça. Ah, c'est que j'ai pas le droit de passer par là. D'accord. C'est bon. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai pas envie d'y toucher. Non, 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 non! Ah,
fois qu'il touche, faut que je somme. Voilà. Pourquoi ? Je peux pas passer par en haut ni par en bas. On va passer par sur le côté. Hein. Attendez, si ça me repose, c'est peut-être parce que je suis trop léger. Si on utilisait les bottes. On va tester avec les bottes, hein, les amis. Cet épisode est en train de traîner en longueur. Non, 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 non. Toi, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Voilà, tu m'as enlevé un quart de cœur déjà, je suis pas très content. Ok. Non, c'était ça. Ouais, c'était ça. Il suffisait simplement de mettre les bottes. Alors. J'ai envie de savoir jusqu'où ça va me mener. Ah là 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 là. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser les flèches, les touches directionnelles. Non, 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 non. Là, je rappelle que c'est pas de ma faute, c'est le bouclier qui a pas voulu s'enclencher. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Nous sommes donc arrivés en haut de la montagne, les amis. Cet épisode dure un peu plus longtemps que prévu. J'en suis sincèrement navré. Et on va continuer un petit peu. On va continuer jusqu'à l'intérieur. Donc nous sommes arrivés chez les Gorons. Arrêtez! Ah, papy Goron. Ah, oh, mamie. Ouais, je sais pas. On dira un vieux. Contre ce gars, vous n'avez aucune chance, même à plusieurs. C'est pas tellement vrai, mais bon. Je suis le doyen des Gorons, Gor Kolbat. Je dirige la tribu en l'absence de Morrock, notre chef. Tu viens du village d'en bas, humain. J'en suis impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Tu dois être très, très fort pour un humain. Mais les mines au-delà de ce point, pour nous, un lieu sacré, il est hors de question de laisser un étranger y entrer. À moins que tu mesures ta force à la mienne et que tu l'emportes. En as-tu le courage? Bien sûr! Alors, on va utiliser un... Eh, on n'a pas mis les bottes. Tu es beaucoup trop mince et trop léger. Tu n'as aucune force. Reviens d'autres jours.
Qu'est-ce qu'il y a eu, hein? T'as encore envie de te battre? Ouais. Chut. Te défier, bien sûr. On va le défier, on va terminer là-dessus. Tu es têtu! Ah, montre-nous ce que tu sais faire! Eh oui, avec les bottes, ça va aller beaucoup plus vite. Allez, c'est parti. On va le. Ah ouais, hein, t'as plus de mal, mon gros. Hein. Ah, ça change, hein. Allez, c'est parti. Ah non, allez, 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 allez. Ah, il esquive, il esquive. On est revenu à la moitié du terrain, les amis. Oh là 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 là. Non, non, non. C'est pas le moment. Non, 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 non. Alors, allez, je termine pas l'épisode avant de l'avoir vaincu. On doit être à peu près à 25 minutes d'épisode. Il en est hors de question. Bon, oui, te défier. Et je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez. Ah mais non. Oh si je peux te pousser mon gars. Ah. Ah non 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 non. Il y en a hors de question. Ah non non non, je voulais bouger. Ah, c'est reparti pour un tour, les amis. On est reparti, on va y arriver, c'est pas grave. Reviens un autre jour, mais hors de question. Mais non, je te redéfierai jusqu'à la fin de cet épisode qui est pas prêt de se finir si j'y arrive pas. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, on est parti, et c'est parti. Ah non, 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 c'était pas ça que je voulais faire. Ah non, ah, ici là, ici là, ici. Ah et ouais, moi aussi j'ai réussi. Ah mince, t'as réussi. Allez, c'est parti, on va y arriver, c'est parti les amis, on va y arriver. Eh oui, 1, 2, ah dommage. Eh oui, on y est arrivé! Eh oui, les amis, nous l'avons poussé, nous l'avons vaincu, c'est magique! Ah, le petit pouce bleu pour cette victoire, ça ferait franchement plaisir. Jeune guerrier, j'aime cette lueur dans ton regard. Et pourquoi pas, après tout? Je suppose que tu as remarqué les éruptions incessantes lorsque la montagne a changé, nous les quatre doyens et notre chef. Mourok, sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Il le fallait, nous y gardons un trésor que le grand esprit Ordin, je sais pas comment il s'appelle, nous a confié. Mais lorsque Mourok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se relever sous les traits d'une créature effroyable. La rage destructrice qui l'habite s'est déchaînée sur tous ceux qui l'ont approché, et les éruptions ont redoublé de fréquence. Au prix de vaillants efforts, nous avons réussi à l'enfermer dans la salle au plus profond de la montagne. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Humain, écoute ma requête. Tu dois sauver Morok. Je suis sûr que le grand esprit qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Moi, grand bête, je ravale ici ma fierté et te demande à genoux
de nous aider pour le bien de notre tribu. Brave, laissez-le passer. Et voilà les amis, nous sommes arrêtés ici. Nous retrouvons donc la prochaine fois pour un nouvel épisode. Donc le petit pouce bleu comme j'ai dit en début et il y a pas longtemps. Fin d'épisode, ça fait plaisir, le petit commentaire pour m'aider à m'améliorer. Un petit message, peu importe lequel, si ça vous fait plaisir, les insultes ou autres, je m'en passerai, je m'en fous totalement. Je vous dis à la prochaine les amis, on se retrouvera pour l'épisode 12 de Twilight of the Princess. Un peu plus tard. Allez, je vous dis ciao ciao, à plus.